Yo 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 yo, c'est Cidorex. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ma track qui s'appelle Noise Disturbance. C'est parti. Alors, on va commencer par le plus important, à savoir le bon gros kick. Je suis parti d'un kick à la base qui sort de la TR-8S, qui est du coup celui-là à la base. Ensuite, j'ai rajouté un kick plus dans les mid-bass avec une disto dessus. Puis j'ai rajouté un truc qui tac bien là. Poc, poc. Un autre poc. Et puis encore un autre poc. Quand on met tout ensemble, ça fait. Ça, c'est la base. Ensuite, on a ça. Et une simple ligne de percussion tranquille. On a un bon gros hâte. Et voilà, on a une intro. Du coup, une fois qu'on a notre début de track, on part ensuite sur un break pour introduire le deuxième élément qui va être cette petite basse. Après, on rajoute toutes sortes de percussions, des rides, des hats, des petits FX, tout ce qu'il faut. Alors, pour les acides, du coup, il y en a deux. Il y en a un qui vient du Silent One et l'autre qui vient du Transistor Bass. C'est un VST de base qui est dans FL Studio. Ça donne ça. Hop. Et l'autre acide. Du coup là, on a une petite montée avec des petits snares qui montent et des FX pour annoncer la drop. Et voilà, après il y a quelques variations en fin de mesure, on a ça par exemple. Puis après, on s'en va de la track avec des petites percussions, tout le bordel, voilà. Histoire de pouvoir transiter facilement quand on la joue. Voilà, c'est terminé, maintenant on va s'écouter ça à fond les ballons.